Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr, ou sur mon blog itisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur The Witcher 3, la chasse sauvage, sur PC. Je rappelle que le jeu m'a été offert par Citoyen. Encore une fois, un très grand merci à lui. Nous sommes non loin apparemment du champ de bataille. Il y a tant de cadavres. Mais oui. La guerre ne fait que commencer. Il y a un nid là. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. J'ai pas de bombe, c'est pas juste. Et pif, nouveau point de compétence. Un nid de couille, je vais m'en débarrasser. Ah mais je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que je peux fouiller les cadavres? Ouais, ouais. Un petit peu d'eau ne peut pas me faire de mal. Allez. Je sais déjà tous fouillés en fait là dans le coin. Bon, apparemment oui. Là. Deux, trois que je peux fouiller d'affilée. Hachet moussé. Épée. C'est les bruits qui. C'est les arbres qui font du bruit comme ça? Oula, oula, il y a du monde là ici. Peau de cheval, ça me fera des choses à revendre. Rien de plus ici. Là. La viande crue. Hachée moussée. J'avais cru entendre du bruit, mais non, c'est les mouches. Tout va bien en fait. Hachée moussée. Hachée moussée. Par contre, j'ai peur que ça prenne un peu beaucoup de place dans mon inventaire, ça non? Ah bah, ça y est, 60 sur 60. En même temps, j'ai 16 hachées moussées. Vous êtes surchargé, Gérald porte trop d'objets. Si vous les chargez d'un butin trop important, vous ne pourrez plus courir ou sprinter. Un symbole 1. Ok, d'accord, bon bah c'est pas grave si je peux plus sprinter. Je demanderai à mon cheval de venir. Ah, mais effectivement, je peux vraiment plus me déplacer correctement. Oula, il y a de la bestiole. Oula, il y a de la bestiole qui débarque. Viens là, chérie. C'est ça, viens. Oh non, mais tout de suite, je me barre. T'es chiant. Fini de jouer. Et tu as même pas laissé le temps de... Ouh, j'ai eu de la chance, là. Alors, c'est la maîtrise, j'en sais rien, mais je l'ai eu. Toi, t'es mouru. Il y en a encore deux autres, on va re-sauvegarder. On va juste aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas des éléments à récupérer. Et d'avoir un monsieur tout seul là dans le coin là-bas. Il est posé contre un tronc d'arbre, bon, rien de très important. Enfin, notamment, c'est plus compliqué de se promener quand on est surchargé, hein. Ça fait un peu mal au dos, je pense. Enfin, j'allais revendre tout ça, ça me fera du pognon. Comment ils sont venus s'empaler sur le... Ouh là là, oh là là, il y a du monde là. Ah si, je peux même plus du tout les fouiller maintenant. Ah si. À moi, à moi. Normalement, je peux te fouiller.
Non, je peux plus. Et eux, j'arrive pas à les avoir, là. La vie, par contre, est totalement remontée. Encore des cadavres. Pour pas changer. Je suis à combien, là, maintenant ? 69, 60, tout va bien. Je sais pas, je sais combien il peut monter comme ça. Allez les filles! C'est l'heure de la sieste. Pour vous en tout cas. Allez, voilà. Oh, toi dégage. On me tape pas, moi, madame. J'ai dit qu'on me tapait pas. Non, 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 non. Ça me va pas. C'est parce que t'es toute rouge que tu vas me faire du mal. Elle récupère de la vie, les saletés. Oh, niveau 2, niveau 2. Point disponible 2. Allez, prends ça en tâche Schtroumpf. Est-ce que j'ai monté en poids aussi? Ah bah non, j'ai pas monté en poids. Du coup, attendez, carte du monde, quête, on sent Schtroumpf. Mutagène. Placez les mutagènes dans les emplacements adaptés afin d'augmenter les statistiques de votre personnage avec un bonus. Ok. Ok. Ok, il faudra que je vois ça. Ah bah ça m'a tout supprimé. Moi je veux ça ici. Et je veux ça ici. Voilà. Et pour le mutagène, allez hop. C'est ainsi que votre personnage. Les mutagènes et les compétences ont une couleur propre. Si vous placez un mutagène près d'un groupe de compétences dont au moins une est la même couleur que lui, il faut courir un bonus supérieur. Ok, d'accord. Si une compétence n'a pas la même couleur que le mutagène, dans son groupe, elle n'augmente pas le bonus conféré par le mutagène. Les autres compétences de groupe dont la couleur correspond à celle du mutagène augmentent néanmoins le bonus. Mutagène. Ouais, d'accord. Le bonus conféré par un mutagène augmente avec le nombre de compétences de la même couleur que lui. Dans un groupe, chaque compétence dont la couleur correspond augmente le bonus de 100%. Les mutagènes peuvent aussi servir à préparer de puissantes décoctions mutagènes. Ah bah, je veux... Ah, c'est des potions, par contre. Ok. C'est intéressant, tout ça, là. Alors, si t'as là, très très bien pensé, appuyez sur F5. Reste un cadavre par là-bas. Un autre cheval empalé. Je vois qu'il y a un truc qui s'allume. Oh, un coffre. J'ai plus du tout de place dans mon inventaire. Tout va bien, chérie, tout va bien. Oh les pauvres chevaux, non mais regardez-moi ça. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de ce film. Bah bien sûr. Ouais, je peux même pas le fouiller là. Mon avis, il donnerait que des trucs de chevaux, mais bon. Alors il y a une bestiole au-dessus. On va lui dire bonjour. Pas pourquoi je mange. Page de manuscrit Albedo. Et Dune qui pop. On va lui parler. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer des pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier, surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est.
Exactement, zone d'objectif. Les objectifs peuvent parfois vous diriger vers une zone dont quand la position exacte de votre cible n'est pas connue. Rendez-vous dans la zone indiquée. Ok. Bon bah vu que je peux pas courir, de toute façon ça va se faire petit à petit. Et si j'appelais mon cheval? Ablette, viens voir papa. C'est bien. C'est un bon chien. Cheval. Cheval, excuse-moi, j'ai failli t'appeler chien. Un premier bouclier, on va aller voir ça. Il en reste plus grand-chose du monsieur là. Traces, lorsque vous trouvez des traces, avancez jusqu'à elles pour, pour les examiner. La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais est-ce que ça pourrait être lui? Bastien était costaud, large d'épaule. Celui-ci paraît plus fluet, mais c'est peut-être dû au feu. Il l'a trouvé! Il s'arrête sur une piste! Venez! Ah bah cool, allez hop, on le suit. Je te suis, t'inquiète pas, tout va bien. Par contre, je comprends pas comment un chien... Ah d'accord, c'est la piste du chien que je suis. Je ne comprends pas... Wow. Comment un chien peut... Mais ce n'est pas... J'arrive pas à terminer ma phrase. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait dru des traits de baliste. Et tout ce qu'il répétait, c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chiez tous, c'est un ordre !» Tu te rends compte, l'abruti. Ah, arrête! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Et s'ils découvrent qu'on cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Et moi, je suis partant pour dire que de toute façon, voilà, sans lui, Bastien serait mort. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père. Lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu. Ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Pognon, pognon, pognon. Non ? Quête terminée ! Est-ce qu'ils ont une quelconque réserve ? Oui, ils ont des réserves. Pâte alchimique. Pâte alchimique. Et là-bas. Poudre alchimique. Bah dis donc, ça doit être la maison d'un mage. Salut, Sar. Ça va? Beau tutu. Du coup. Ah mais, mon cheval est juste à côté, j'ai pas besoin de l'appeler. Espèce de schtroumpf de jeu. C'est quoi cette arnaque? Du coup, il faut que j'aille où maintenant? Il faut que je me barre, je pense que je retourne au village, jusqu'au forgeon. Je peux pas me déplacer rapidement, là. D'accord, en fait, faut peut-être d'abord que j'aille vers un carrefour. On va essayer en étant à côté d'un carrefour pour voir. C'est peut-être ça, en fait, l'élément important. Je vais voir si j'ai bien compris. Oh là. Voilà. Je suis ici et on regarde à nouveau si on peut se déplacer rapidement. Je suis à un carrefour.
Là, ou pas. Ah si, voyez ça, ça y est, ces voyages rapides, ça fonctionne comme ça en fait. Ok. Cela explique tout. Absolument tout. Donc ça c'est fait. Ce serait bien que je puisse m'acheter des bombes par contre. On va sauvegarder au cas où. Voilà. Et on commence à être en fin de journée. On va aller vendre tout ce qu'on peut. Lui, on va le laisser tranquille parce que je peux pas marcher, je peux rien faire là, c'est assez désagréable. D'ailleurs, je sais pas, une seule petite chose qui pourrait m'être utile là par hasard. Non, 18, 18, 18, moins 3, moins 3, enfin non, ça revient au même, c'est du 30, 36, tout ça. 26, 32, 25, 31. Je ne vois aucune arme aussi efficace que celle que j'ai déjà. Des armes qui ne valent absolument plus rien. Il faut que je vende ça aussi là. Ça commence à faire lourd, ça prend déjà 10. On va aller voir ce qu'on peut vendre. Allez hop, c'est parti. Il a disparu soudainement. Le diable dans le vieux chêne s'assoit, il brasse du cidre en criant de joie. Il le descend à grande gorgée, puis au matin hurle, tête ne cesse de teinter. Oui? J'ai entendu ça, sauf que c'était un noyeur. On n'est pas rapide quand on marche et qu'on peut pas courir. Hein. Pom 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 pom. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, les gosses! Bonjour. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Je veux que nous commercions, cher ami. Montrez-moi ce que vous avez. Alors, je vais te vendre ça. 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 Ça, ça, ça aussi, ça, 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 ça vaut quoi? Bon, ça c'est la même chose que ce que j'ai déjà. Ah non, j'ai même mieux. Ça, ça, ça. Comment ça? Je veux plus vendre? Mais si, je peux encore vendre. Non mais oh. Ensuite, ici. Ah, il veut pas acheter ça. Faut que je m'en débarrasse de ça, pourtant. Morceau de cuir. Manche. Eh, ça pourrait être sympa ça. Il me faut quoi, 3 fils? Et il me manque juste du fil. Et je peux créer du fil là, on n'a pas... Mais c'est bon. Voilà. Et du coup maintenant je peux me faire celle-ci. Et... Elle est pas belle la vie? Bon, ensuite réparation.
Je m'en ficherai partout. Ça peut me coûter un peu cher, mais bon. Voilà, on va quitter. On va changer notre équipement. Ah non, j'ai pas le niveau. Il me faut niveau 3. Non. Bon bah ça attendra du coup. Je suis redescendu à 42 sur 60. Qu'est-ce que c'est qui me prend encore beaucoup de place? Ça là. Mais à qui je peux le vendre ce truc? Bienvenue fidèle client. Ou alors faut que je... Faut que je démonte. Enfin bon, montre-moi vos articles. Montrez-moi ce que vous avez. En fait, c'est pas tes articles, je veux que tu me démontes des trucs. Notamment, je veux que tu me démontes... Ça, c'est quoi, ça? Du fil, je veux pas que tu me démontes du fil. Par contre, j'aimerais bien que tu me démontes les haches, si possible. Ah, elles sont là. Voilà, et donc, du coup, j'ai 20... Un goût d'acier. C'est les manches qui pèsent le plus lourd. J'ai l'impression. Faudrait que je puisse les classer par poids en fait. Ouais, donc toi, je veux pas te vendre le bois en fait, tu n'en voudras pas. Adieu. Il va me falloir quelqu'un qui veut bien acheter mon bois. Et c'est quoi qui va à côté, la meule là quoi? Ah, il a la meule. Les objets ont été améliorés. Ah ouais, bon, c'est d'une efficacité redoutable. Petite sauvegarde. Pour ne pas perdre les bonnes habitudes. De dégâts, ce n'est pas rien. J'ai quand même plein d'objets comme ça aussi. 36-60, donc ça a bien dû me faire un petit peu de... faire perdre un petit peu de... d'éléments. Où sont tous mes lingots? Et mon bois? Je vois plus rien. À moins qu'il ne soit pas ici, mais là. Ah, il est là. Bois durci. Lingot d'acier. Il y a le manche, mais une manche... Le manche est là. Faut que j'aille voir si je suis pas à vendre ça ailleurs. Attendez, je suis en train de calculer, mais... Des carreaux, j'en ai? Mais j'ai pas d'arbalète, effectivement, ça explique tout. Et il me reste 168 pièces. À chaque fois, on est vraiment, vraiment limite au niveau de la quantité de pièces, j'ai l'impression. Il vous fallait autre chose? Oui. Des choses intéressantes sous votre comptoir? Ça dépend de ce que vous cherchez. Jetez donc un œil. Avec plaisir, très cher ami. Je veux te vendre tous ces machins là, parce que ça me coûte... Je vais t'en vendre, allez, 24. Par contre, ça, je peux pas le vendre. On va lui vendre des pots de loup aussi. Voilà, histoire qu'on en ait un peu moins dans notre inventaire tout de même. Faut que je fasse gaffe, elle a quasiment plus d'argent. Bon, c'est quand même bien descendu là.
Bon, ça, je sais pas chez elle qu'il faut que je le vende. Ça non plus. Bah ok, on va en rester là pour l'instant, on verra bien plus tard. Il faudra que je fasse gaffe à ma capacité à porter. Adieu. Je suis désolé de te pousser, mais c'est mon personnage, quand il fait demi-tour, il sait pas faire demi-tour sur lui-même en fait. Faut qu'il est obligé de se bouger, je sais pas trop quoi. Et là, normalement, c'est quoi lui ? Il a disparu soudainement. Comment on se retrouve ? Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose ? Pour vous, c'est moitié prix. Oh, je t'aime bien, toi. Voyons ce que vous avez en magasin. Plus 25 ? Mais en fait, ce que j'ai fait là, ça sert à rien. Faudra que j'attende de le voir plus tard, lui, alors. Enfin, pour vous, c'est moitié prix, c'est moitié prix. Vu le prix de l'eau, 41. Le poids, enfin, le truc de l'eau. Ça fait un peu mal, quand même. Mais non, c'est au même prix que tout le reste, il se fout de moi. Je vais peut-être prendre ça, ça coûte un peu cher, mais... je me dis que ça peut toujours être utile. Et je peux tout lui vendre à lui. On va faire comme ça. Voilà. Donc en fait, ça prenait rien en poids. Je sais pas à quoi sert F, trier les objets. On va regarder vite fait ce qui pourrait prendre le plus de poids en fait. Tout ça ne prend quasiment rien. Ouais, c'est vraiment pas bien méchant, je serais mieux de garder ces éléments là. Ça, ça, c'est des objets de quête donc faut pas que je les balance. La clé. Ça, ce n'est pas trop lourd, le collier par contre commence à l'être. Ça rapporterait, mais au moins ça libère pas mal d'espace, j'ai l'impression. Peau de loup, cuir usé. Vieille peau de mouton, on va tout lui vendre au niveau de la vieille peau de mouton, c'est pour faire du cuir, on a déjà pas mal. Les peaux de cochon, il en reste deux, allez hop, on bazarde. On fera du cuir plus tard avec. Putain, des rasoirs 0,86. Faut que je fasse gaffe, il a quasiment plus de sous. Pas me racheter mes trucs grand chose en fait, hein, mais bon, au moins on a vu ce qu'il avait à nous vendre, c'est plutôt intéressant, je trouve. Ficelle, bon, par contre, pour le moitié prix, on repassera. Hein. T'es au même prix que tout le monde. Au revoir. Donc, tu n'es qu'une arnaque, mon ami. Et en plus, tu t'appelles marchand, quel nom original pour un marchand. Ah non, les armes améliorées font plus de dégâts en fait, c'est un bonus. Ce n'est pas une compétence ou quelque chose qui s'est véritablement passé. Il faudrait vraiment que je me crée des bombes aussi. Bon, attends, j'ai comme toujours, j'ai oublié de sauvegarder avant de monter, rentrer dans l'inventaire. Alchimie. Il faut que je me fasse des bombes et je peux me faire du samum. Du salpêtre. Il faudrait que je vois où est-ce qu'on peut trouver du salpêtre. Mais c'est pas ça qu'il me faudrait une plus en fait, c'est... Il me faudrait plutôt de ça. Et c'est quoi ça ? Calcium et cum, ingrédients alchimiques. Faudra que je trouve tout ça pour pouvoir faire des éléments de destruction pour détruire les nids. Ils ont dit qu'on pouvait détruire avec quoi ?
Glossaire, bestiaire. On a rien de nouveau dans le bestiaire, non, c'est bon. Personnage, rien de nouveau. Alchimie. Armes, bateaux, chevaux, Cyrilla. Pourquoi il marque Cyrilla? Charge, bon. Combat, dialogue. Attaque puissante, attaque rapide, contre-attaque, effet temporaire, esquive, nuage de gaz, parade, point d'adrénaline, roulade, sélection des cibles, vigueur. Mutagène, natation, objet. Objet abîmé, obscurité, potion, échoppe. On peut faire de l'escalade aussi? Non, ok, c'est pas ce qui est le plus important. Dialogue. Je cherche comment on sait pour détruire. Avec quoi on peut détruire les bombes? Bah non, c'était pas ça que je cherchais non plus. Bon bah tant pis. Du coup. Alors attendez. On va où là? Au final. J'ai envie d'aller par là. Donc je vais retourner rapidement au point de soupir. Pour retourner au village abandonné, ça se trouve, je tomberai sur le spectre. Ou la chose qui a le démon qui habite à côté du puits. Et là, ça aurait été sympa que je trouve aussi le point de déplacement rapide. Ouais, ok, on va aller là. Alors les villageois ont capturé un sorcier qui chasse le monde pour projet de piste. Et je veux aller, s'il te plaît, au sud-ouest, c'est-à-dire par ici. Peut-être qu'il faudrait que je pense à vous les couper les temps de chargement. Ah bah voilà qui fait nuit, ça va être pratique pour se promener. Il y a toujours rien autour du puits pour venir me casser les schtroumpfs. Attends, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Du coup, on va partir par là. On va parler plantes qui repoussent, le reste c'est bon. Il y a rien qui réapparaît. Je pars pas dans la bonne direction. Je fais gaffe qu'il y ait eu des ennemis dans l'environnement non loin d'ici. Juste des plantes, ok, ça ne m'intéresse pas. Plus on avait déjà visité la maison, je crois. Qu'y a-t-il par là-bas? Ah! On va sauvegarder. Un site d'énergie devrait y puiser. Un ours? Oh punaise, comment ça a l'air violent ces bestioles! Mais c'est quoi ces ours? Et c'est des ours montagne ou quoi? Nom d'un schtroumpf! Et lui, si je le tue, c'est que c'est un miracle! Un ours montagne, voilà comment ça va s'appeler. Wow. Aïe. Vas-y, viens là, s'il te plaît. Oh,
j'ai l'impression de rien lui faire en dégâts. Bouge pas, s'il te plaît. Oula, ça sent pas bon ça. Aïe. Ouah, ma vie. Oh, il m'a eu. Oh, punaise. Après tout ce temps, il a fini par m'avoir. Je suis dégoûté. Et j'espérais vraiment le toucher et le mettre à terre. Et il lui restait si peu de vie. J'avais déjà fait les trois quarts du chemin. Enfin, je crois. Ou alors la moitié au moins. Oh, c'est pas cool. Les gars, faites quelque chose. Sauvez-moi. C'est pas juste. J'étais si près du but. Bon, on va s'occuper du système d'énergie au moins. C'est quel signe? En plus, je crois que c'est le signe que j'arrive pas à l'utiliser. Ouais. On va voir si ça fonctionne bien ou pas, du coup. J'aurais peut-être pas dû attaquer comme ça, mais bon. Aïe! Comment il fait trop mal? Bah, il m'a re-eu! Je crois que c'est pas trop le moment de l'attaquer, mais oui, en plus, il m'affiche pas comme quelqu'un de dangereux. Il n'y a pas le petit sigle au-dessus qui dit attention, tu vas mourir si jamais il s'attaque à cette bestiole-là. Donc, je me dis qu'il y a forcément moyen de l'avoir, mais c'est solide comme bestiole, hein. Allez-y! Quelle violence, mes amis, quelle violence! Je pense qu'on va laisser tranquille l'ours, on reviendra l'affronter une autre fois. Parce que là, celui-là, il va me. C'est un site d'énergie. Là-bas. Mais j'ai tellement envie de le zigouiller, l'ours. On s'en fiche, il dort. On récupère le point de compétence et on se barre. Ah, il y a quoi ici? Une selle. Bon, bah, j'avais déjà ça sur mon inventaire. Et on va se tirer ailleurs. On va faire comme à l'infanterie, comme il disait l'autre. Tu te tires ailleurs. Quelle blague. Ouais, deux montagnes en même temps, c'est pas bon ça. C'est bon, j'ai tout le monde. Ah. Cool. J'ai libéré un lieu. 90 points d'expérience, ça c'est beau. Du coup, par contre, faut que je fouille ce qui reste là de mes adversaires. Voilà. Damnation. Attendez les gars, je viens de vous libérer votre poste là. Je pense que vous me devriez un minimum plus de respect là quand même. Et du coup, il fait jour en fait. Il s'est panié quelques secondes. C'est pas grave, on va aller jusqu'au pont là-bas. Voir ce qui s'y cache. Dessous, dessus. Bon, du coup, j'imagine que c'est en dessous.
je m'en sors pas si mal au niveau de ce que ça me rapporte tout ça. Voyons voir. Pour une amélioration. J'ai pas tout compris. Je sais plus pourquoi je voulais faire ça. En tout cas, j'ai de l'argent là maintenant. Il me semble qu'il y avait encore un point au-dessus. Voyons. Ah, mais mince, il est déjà 40. Enfin, c'est déjà 40 minutes qu'on est en vidéo. C'est pas juste, ça passe trop vite. Cache de contrebandier. D'accord. Il ne reste plus que ce coin-là. Allez voir, on aura fait le tour de la carte, je crois. Bon, il reste ici, bien sûr, mais on peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Je pense que c'est bon, après on aura tout vu. Hein. Herboriste. Trésor caché, trésor caché. On va essayer de s'occuper de nos différentes quêtes aussi. De Colgrim et j'en ai terminé quand même quelques-unes des quêtes, hein, mine de rien. C'est plutôt cool. Donc il faudrait que je prenne celle-là plutôt. Voir où est-ce qu'il est, Odolan. Et il est où du coup? Ok, il est là-bas. Faudrait que j'aille lui parler. Bref, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un très grand merci à vous tous, et en particulier à Citoyen qui, je le rappelle, m'a offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à découvrir la vidéo de mes camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog it3.fr. Passez une agréable fin de journée, et ciao tout le monde. Salut !